C'est une journée pour permettre aux compagnies clermontoises de montrer leur travail auprès des professionnels, puisqu'on ne peut pas accueillir de public dans les salles, mais on peut accueillir des professionnels. Comoussine, qui est une compagnie chorégraphique clermontoise, donne un spectacle qui mêle à la fois danse et art visuel. On a besoin de retrouver ce contact avec le beau, avec l'esthétique et avec les émotions. Ultra bright, dentifrice au goût sauvage. La compagnie Iceberg Théâtre, qui donne un spectacle aussi tout à fait singulier et très très poétique. La compagnie Ligne de Fuite, dirigée par Gaël Dauphin, qui s'est adaptée à la situation, qui avait un spectacle autour du vilain petit canard, un spectacle jeune public, et elle a créé une mini-forme de ce spectacle qui s'appelle Spectacle Maton, qui tourne dans les établissements scolaires et qui a énormément tourné depuis le début de cette crise sanitaire. Et on essaye de créer un poème qui va les englober, qui va englober le spectateur et qui, peut-être, va leur raconter une histoire particulière dans leur imaginaire propre.